vous retrouve pour un nouvel épisode des chansons coupées dans les films Disney. Vu que le 2 va bientôt sortir au cinéma, je vous propose qu'on parle de la Reine des Neiges. Alors j'avais pas de pins la Reine des Neiges, du coup j'ai mis Mickey qui s'y flotte. Et j'ai fait de mon mieux pour thématiser le fond, mais c'est tout ce que j'avais. Voilà. N'oubliez pas que je ne travaille pas avec Disney ni dans le milieu, du coup toutes les infos que j'ai, je les ai trouvées sur internet. En barre d'infos, vous pourrez trouver mes sources. Et sinon, j'ai 7 chansons à vous présenter, donc je vous propose de commencer maintenant. La première s'appelle Love Can't Be Denied. Elle a été composée par Alan Menken, mais il a laissé ce projet de côté au fil du temps parce que l'histoire qui était en train de se créer pour le film s'éloignait de plus en plus de la version originale du conte de la Reine des Neiges. Et du coup, ça n'allait plus avec l'histoire ni son évolution. C'est une très jolie ballade que je vous invite à découvrir. À partir de maintenant, normalement, toutes les chansons dont je vais vous parler, vous pouvez les retrouver en version audio sur le CD de La Reine des Neiges version Deluxe. Je sais pas s'il est aussi sorti en France vu que c'est les chansons en VO, mais bon, je pense qu'il y a des chances quand même. La deuxième, c'est une de mes préférées, c'est We Know Better. En français, ça donne On Connaît Mieux. C'est un petit peu la première version de la chanson Je voudrais un bonhomme de neige. Dans l'extrait qu'on peut entendre, on a les personnages d'Anna et Elsa qui sont encore petites. Et en fait, elles sont là un petit peu à se plaindre et à se moquer des devoirs des princesses, de ce qu'on attend des princesses, etc. Par exemple, d'aimer le rose, de bien se tenir, de faire ci, de pas faire ça. Elles ont mieux à faire, entre guillemets. L'extrait disponible en audio, c'est juste le premier quart de la chanson. Parce que de base, elle devait la chanter plusieurs fois pendant le film, au fur et à mesure qu'elle grandissait. Il y avait notamment cette idée qu'elles développaient toutes les deux des personnalités bien distinctes. D'un côté, Anna qui est plutôt solaire et plutôt classique entre guillemets pour une princesse, tandis qu'Elsa devenait plus renfermée sur elle-même, plus solitaire. Et il y avait justement cette crevasse qui se créait entre elles. Et là, je ne fais que supposer, mais peut-être que la chanson, c'était tout ce qui les réunissait encore entre guillemets. Enfin voilà, je sais pas, je pense qu'il y avait une dualité comme ça. Ou alors au contraire, ils voulaient ensuite exprimer leur éloignement, je ne sais pas. C'est d'ailleurs la toute première chanson qui a été écrite quand le projet du film a été lancé. C'est un peu ce qu'ils appelaient une chanson pour deux petites princesses rebelles. Et si vous l'écoutez, vous verrez qu'elle est très énergique. Et je vous invite à regarder les paroles, c'est très fun. Ensuite, on a Spring Pageant. Je sais pas trop si je l'ai bien prononcé, donc je vais vous l'écrire de toute façon. Ce qui pourrait se traduire par cortège de printemps. Dans celle-ci, vous pouvez entendre donc des enfants qui chantent comme une chorale. Ils répètent en fait un chant de cortège guidé par leur professeur. Vous allez voir que ça fait un petit peu chant de Noël au début. Et de base, dans La Reine des Neiges, il devait être question d'une prophétie. Et justement, cette chanson, c'était l'occasion de nous expliquer cette prophétie via le chant des enfants pendant le cortège du printemps. La quatrième est également une de mes préférées. Elle s'appelle More Than Just The Spare, ce qui veut dire en gros plus qu'une remplaçante. Dans la première version de l'histoire, en fait, on avait vraiment cette idée que Elsa, d'un côté, était l'héritière de ses parents, donc celle qui allait devenir reine, et de l'autre, et ben du coup, il y avait Anna qui, elle, n'héritait de rien. En gros, elle servirait de pièce de rechange à sa sœur si jamais elle n'héritait pas. C'est pour ça que la chanson s'appelle comme ça, et c'est un hymne vraiment libérateur, en fait. C'est, d'une part, on va dire, le premier essai de la chanson du renouveau d'Anna, mais au niveau du sens et de la puissance, elle est un petit peu plus proche du libéré, délivré d'Elsa. C'est aussi une chanson d'empowerment au féminin. Les paroles sont super intéressantes, vous allez voir qu'au début, ça commence tout doucement, d'une manière un petit peu mélancolique, et après, ça devient beaucoup plus dynamique dans la suite. Et la fin de ce passage musical, c'est le moment où Anna percute Hans avec son cheval. On peut donc en déduire que la chanson se passait juste à ce moment-là, donc à la place du renouveau une fois encore. D'ailleurs, si vous allez l'écouter, vous allez entendre qu'il y a certaines sonorités qui ont été reprises dans le renouveau. La cinquième, je vous en ai déjà parlé sur mon autre chaîne, c'était à l'époque où j'avais fait ma vidéo d'Halloween sur les chansons des méchants Disney. Elle est toujours dispo, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'en 2020, je vais réuploader certaines de mes anciennes vidéos que j'avais publiées sur cette chaîne-là. Dans tous les cas, il s'agit de la première chanson qui avait été écrite pour le duo Anna et Hans. Elle a été ensuite remplacée par L'amour est un cadeau, celle qu'on connaît aujourd'hui, parce que cette première version ne collait plus à l'histoire. Et c'est vrai que quand on l'écoute... en fait, elle sonne vachement sincère, je sais pas vous, mais du coup, je pense qu'avec cette version, on aurait peut-être été plus nombreux à se faire avoir. Alors que L'amour est un cadeau, elle est sympathique, mais voilà, elle est pas hyper profonde comparée à You Are You. Enfin, elle est pas aussi touchante, en tout cas, moi, je trouve. En tout cas, j'aimerais trop qu'elle soit reprise par Christophe, je sais pas vous, mais ce serait beaucoup trop mignon qu'il chante ça à Anna ou qu'il se la chante tous les deux. Ce serait trop chou. You don't have to say a thing, I know the way.
L'avant-dernière, c'est Life's Too Short, La vie est trop courte. Et c'est la première chanson qui a été écrite pour la confrontation entre Anna et Elsa, quand cette dernière va la chercher dans son château là, puis ensuite que Elsa s'énerve et qu'elle lui gèle le cœur. Dans une des premières versions du script, en fait, il était question à ce moment-là que pour résoudre le problème d'Elsa, Anna devait lui faire remettre ses gants. Du coup, c'est ce qu'elle est partie faire en allant chercher sa sœur. Sauf qu'Elsa, bah, elle va prendre ça un petit peu comme une trahison, parce que lui demander de remettre ses gants, c'est un petit peu lui demander de retourner en cage finalement, de retourner se renfermer, être prisonnière de ses pouvoirs, etc. Donc Elsa évidemment ne veut pas, et il y a une violente dispute qui éclate entre elles. Et si vous écoutez bien la chanson et l'intonation des actrices, vous voyez que à ce moment-là, elles se disputent quand même vachement plus violemment que dans la version qu'on connaît aujourd'hui. Le seul problème, c'est que la chanson est beaucoup trop dynamique et entraînante en fait par rapport justement à la dispute et à ce qui se passe à l'écran. Du coup, ça faisait un petit peu bizarre et c'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé au final. La chanson était reprise de manière beaucoup plus mélancolique plus loin dans le film, et là pour le coup cette version là c'est un petit coup de cœur. C'était le passage dans lequel Anna est en train de mourir littéralement de froid à cause du sort d'Elsa, et que Elsa est prisonnière donc par Hans. Alors je ne sais pas si dans cette version là c'était pas Hans qu'elle était fait prisonnière, mais bon, vous avez compris. Et en fait elles chantaient cette chanson toutes les deux avec chacune leur point de vue, et évidemment bah, manière séparée. Et si vous faites bien attention, vous allez reconnaître quelques notes de la chanson du Bonhomme de Neige. Et on termine avec la dernière, qui est plus une blague qu'une vraie chanson. C'est la chanson du renne que Christophe chante à Sven. Je sais plus comment elle s'appelle cette chanson. Et bref, de base elle était pas dans le film, et en fait les compositeurs se sont dit « Tiens, mais c'est dommage, on n'a pas écrit de chanson pour Jonathan Groff, qui est donc l'acteur qui double Christophe dans la version originale. » Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont composé une chanson qui aurait dû apparaître dans le générique de fin de La Reine des Neiges en guise d'une petite blague, entre guillemets. Par contre, je sais pas du tout dans quel ordre ça a été fait par rapport à la version qu'on entend dans le film. Est-ce qu'elle a été mise dans le film après qu'ils aient écrit cette chanson, justement, pour donner un petit passage à Jonathan Groff, ou est-ce que cette première version avait d'abord été écrite, mais qu'ils se sont dit bah, que c'était pas assez et qu'ils voulaient faire une chanson un peu plus longue pour l'acteur? Voilà, je sais pas du tout dans quel ordre ça a été pensé. En tout cas, la chanson est plutôt marrante. J'aime beaucoup les nananas, ça me fait trop rire. Ça fait un petit peu balade rock, un peu à la Beatles en fait, et je sais pas, ça m'éclate, c'est marrant. Enfin voilà. Et du coup, c'est déjà tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a éclaté de la tourner. N'hésitez pas à me dire quelle est votre chanson préférée parmi toutes celles-ci. Moi, je sais pas, entre We Know Better et More Than Just The Spare, voire la version, la reprise de Life's Too Short. J'avoue que c'est compliqué de choisir. En tout cas, il y en a qui me plaisent vraiment, et comme quoi, quand un film est réécrit, même s'il y a des chansons qui sont super bien selon l'histoire, le moment, etc., on est obligé malheureusement de les couper ou de les remplacer par d'autres. Et c'est un petit peu dommage de laisser des petites pépites de côté comme ça. Donc, ouais. Mais c'est comme ça. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne, à la fois pour la prochaine vidéo, mais certainement aussi pour ma chronique sur La Reine des Neiges 2. Allez, ciao !